Inestimabile Vitridecus est une œuvre d'art née de la rencontre avec la chercheuse Myrthe Huneau et l'univers scientifique du synchrotron solaire. La découverte de cet univers, que j'ai trouvé terriblement esthétique, m'a inspiré pour imaginer de pouvoir amener cet outil scientifique dans le monde de l'art. La question était justement de détourner un outil technologique qui est utilisé pour étudier la matière et donc un caractère fonctionnel et utilitaire pour pouvoir en fait faire de l'art, donc créer une œuvre esthétique. Le synchrotron soleil produit une lumière de haute énergie très intense qui est habituellement utilisée par les chercheurs pour étudier toutes sortes d'échantillons. Mais dans certaines conditions, cette lumière étant tellement intense, elle peut modifier l'échantillon. Et par exemple, on peut marquer le verre. Donc en général, les chercheurs travaillent dans des conditions pour éviter cela. Mais au contraire, ce que l'on a cherché à faire avec Hernán Gabriel Pais, c'était d'utiliser cet effet pour créer Inestimabile Vitridecus. C'était l'occasion aussi, c'est-à-dire c'était un défi technologique et artistique, dans le sens qu'à notre connaissance actuellement, ces détournements en fait d'une lumière de synchrotron pour faire de l'art n'a jamais été produite. La lumière du synchrotron n'est pas comme une simple lampe de poche que l'on peut bouger à volonté. Rien que par le fait qu'on ne puisse pas se trouver dans la même pièce que là où sort la lumière, pour des raisons de sécurité, parce que c'est trop intense, on a dû recourir à une équipe d'experts techniques, des ingénieurs, des techniciens, pour développer un système de pilotage mécanique combiné avec de l'électronique et de l'informatique adéquate pour, in fine, réussir à écrire sur le verre avec la lumière. Ensuite, dans un dernier temps, il a fallu finaliser le vitrail. Un vitrail, c'est du verre et du plomb. Donc là, nous avons sollicité l'atelier de vitrail Vitrail France au Mans pour réaliser la découpe des verres puis enfin la mise en plomb du vitrail. Ce qui m'a fasciné, c'était entre autres que cette lumière, elle est invisible à l'œil nu. C'est-à-dire quand on va voir les expériences sur les lignes, on ne voit pas la lumière visible comme un faisceau de laser, par exemple. Par contre, par les moyens justement du verre, de l'utilisation du verre, nous pouvons laisser marquer en fait la trace du passage de cette lumière, quelque part la rendre visible, l'invisible. On fait ici écho à la fascination pour le vitrail au Moyen-Âge. Inestimabile Vitridecus, ce sont les mots en latin écrits au XIIe siècle par le fameux moine Théophile dans son traité et qui signifie l'inestimable éclat du verre, l'inestimable beauté du verre. Cet éclat est considéré au Moyen-Âge comme l'incarnation de la lumière divine. À l'instar des vitraux du Moyen-Âge, dans cette œuvre, j'ai cherché à incarner les divins de la science moderne. Mon intention était d'apporter en fait une vision mythologique et symbolique de la science. Rentrant dans le synchrotron qui s'appelle Soleil, disons, c'est baladant entre les lignes qui ont des noms de constellations, j'avais l'impression de me retrouver dans un Parthénon du XXe siècle, quelque part. Un Olympe avec plein de divinités mythologiques mais technologiques en même temps. L'œuvre, elle se présente comme un vitrail en forme de disque, justement, pour rappeler la forme du synchrotron, mais pas seulement, aussi du soleil, et pourquoi pas de l'hostie, c'est-à-dire la quête de cette vision mythologique, divine et symbolique de la science. Nous avons imaginé en fait une proposition de presque d'un voyage dans le temps, depuis l'Antiquité à la création en fait du verre, depuis c'est le moment de création d'innovation au XXIe siècle où nous accélérons des particules pour produire de la lumière. Donc c'était l'idée de pouvoir relancer en fait le vitrail dans le futur.